Bon, je suis retourné prendre de la munition, j'ai refait la route à l'envers, j'ai tué des mobs, et normalement je vais même trouver les cartes d'accès sur des mobs classiques, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc voilà ce que j'ai fait grosso modo. Ça c'est de la mune que j'avais en stock, il m'en reste 148 là. Je suis parti avec 250 et quelques. Bon, on va essayer de déverrouiller ça, normalement ça devrait marcher puisque j'ai les trois cartes, comme on voit. Voilà. Donc on les trouve sur les robots, il suffit de flinguer du robot, hein. C'est tout simple. Je vous ai passé les détails parce qu'en fait c'est la même chose que les autres vidéos, hein. C'est du combat, machin, là on fait pas de recherche. Bon alors, ici on va peut-être fermer la porte pour pas qu'il y en ait un qui vienne par derrière. Je sais pas s'il y a du monde à l'intérieur ou pas. Mais une chose est sûre, c'est qu'on a un point à l'intérieur, il faut qu'on restaure le courant. Donc on est dans le noir complet. Ok. Bon bah a priori ça se passe vers en bas, hein. On va essayer d'y aller. Alors qu'on fasse attention quand même, hein. Sûr qu'il va y avoir quelques robots à l'intérieur. J'essaie d'écouter en même temps. Donc ça c'est intéressant de fouiller ce bunker. Je suis sûr qu'il va y avoir des trucs. J'espère qu'on va trouver du flingue quoi. Tiens regarde. Ah une adrénaline, ça c'est pas mal. C'est pas mal. L'adré ça sert quand tu te fais tuer, hop, bah tu te revives instant sur place. C'est bien. J'en ai quelques-unes d'avance, hein. Je suis mort qu'une fois lorsque j'ai fait les tests en fait. Sinon je suis pas mort depuis, je suis hyper vigilant. Je suis jamais mort. Donc je sais pas trop comment ça se passe, si t'as pas d'adré, si tu perds tout ou pas, je sais pas te dire. Ok, là, il y a eu une détection sur la gauche, vers le bas. Donc il faudra faire attention. Oh putain. Oh, ils sont trois au minimum. Bon, comment on va les... Oh putain. Comment est-ce qu'on va les gérer? Là, il n'y a pas le choix, tu peux pas passer en évitant le combat. Hein. Tu peux rien faire. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? La porte elle s'ouvre pas ou qu'est-ce qui se passe? Elle est rouillée? Là c'est une salle de bain. Enfin des chiottes, ouais. Bon, on va y avoir une caisse de munitions. Bah, la 32 ça tombe bien, ça. On en a toujours besoin. Donc là on peut pas ouvrir, hein. On manque d'alimentation. Donc je pense qu'il faut mettre le courant et après on peut ouvrir les portes. Bon. On va être obligé de péter les meubles là en bas. Là-dessus on n'a pas le choix. Allez, vas-y. Pourquoi j'ai l'impression que je touche pas là? Oh! Regarde ma vie. 60. Non mais c'est incroyable. C'est incroyable. Toi tu leur mets 10 balles. Eux ils tirent une balle. Hein. Et ils t'enlèvent 40 HP. Alors j'ai jamais vu du gilet pare-balles ou quoi que ce soit ici. Je sais pas. Toi tu crèves. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? C'est des trucs militaires dont je parlais dans la vidéo précédente là. C'est la merde, ces espèces de clébards là. Ah, il peut pas monter? S'il peut pas monter, ça va être plus facile, je vais me soigner. À 55, j'en prends la note. Hein. 60. Vas-y, 80, 80, j'y vais à 80, normalement ça devrait venir. On va y aller au fusil mitrailleur. Fusil mitrailleur, comme ça, ouais. Je trouve pas top ce fusil mitrailleur, là, c'est pareil. Les balles, c'est du 9 mm, elles sont censées faire du dégât plus que la 32, mais... Waouh, waouh, ça pique quand tu prends ça, ça pique. On est où, là? On est où? Attends, attends. J'ai perdu les escaliers, là. Bon. 28 HP. On est obligé, hein. Il m'en reste 12, donc... bon. J'ai pas récupéré grand-chose, hein. On a fini notre vidéo. On en avait quoi? Peut-être une dizaine. Sur tous les mobs que j'ai tués. J'en ai tué quand même un petit peu. J'ai pas récupéré grand-chose, en fait. Hein. Ceux-là, je sais pas si on peut les crafter. Pour l'instant, j'ai pas vu. Bon, lui... Allez, hop, un chargeur entier, 20 bastos pour tuer cette merde. Et on a l'autre, là. Je veux pas crever. Ah si, ça y est. En fait, ce fusil est silencieux, mais j'ai l'impression qu'il fait moins de dégâts
que d'autres armes. Je sais pas, peut-être que les balles se dispersent, qui fait que tu mets 3-4 balles. Bon, je sais pas. Ouais, tu mets peut-être des balles à côté, j'en sais rien. Bah là, on n'a rien trouvé qui nous intéresse. Une munition de 9 mm chemisée, ça c'est pour du slug de calibre 12. Le slug c'est quoi? C'est de la balle chevrotine, un truc comme ça, ou de la balle à ailette, un truc dans le genre, non? Bah le calibre 12, de toute façon il est au campement, j'en ai bien, j'en ai trouvé un dans l'église, je vous ai montré où, hein. Sur la première ou la deuxième vidéo, je vous montre où le trouver. Bon. Là je suis à genoux, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, enfin à genoux, accroupi, hein. Je suis pas en train de marcher sur les genoux, tu vois, je suis pas en train de me... T'as cru quoi que j'allais marcher sur les genoux ou quoi? Juste accroupi. Je me déplace doucement. Très doucement. Donc on suit le point hein, en fait. C'est pas bien compliqué. Hein. On suit le point, on va finir par trouver quelque chose. La mort. Ou l'aventure, on va savoir. Bon. Là, ici, il y a une espèce d'escalier. C'est pas une espèce, d'ailleurs, c'est un escalier qui tourne. Je sais pas comment ça s'appelle. En colimaçon, non? Je sais pas. En fait, en même temps, je m'en branle un peu de comment ça s'appelle. Et ce qui m'intéresse, c'est de trouver les mobs et de trouver mon point, là. Je vais continuer doucement à descendre. Ouais, je t'ai entendu, moi aussi. Ils sont au moins deux. Bon, on va repasser au pistolet, là. Fais un petit clébard, hop. Normalement, il meurt à une balle, cela. Ouais. Oh, il est où? Là. Ah, bébé. Il est où? Il est là. Putain, je le rate, mais c'est pas... Il y a des jours comme ça, ça va vraiment pas. Hein. On devrait rester couché, là. Je sais pas pourquoi je me suis levé aujourd'hui, hein. Je me suis dit, je fais une petite partie, je vais leur faire une belle vidéo, question de tout. Je fais rien de bon. Est-ce que là-bas va y avoir quelque chose? Allez, go. Et on va se soigner un peu. 49 HP. J'espère qu'il n'y aura pas encore 3-4 clébards qui nous attendent là-bas, quoi. 49, 73. Il y en a qui te donnent plus que d'autres. Je comprends pas comment ça marche, ce médoc, là. J'ai l'impression que c'est un random qu'ils font. C'est un truc aléatoire. Ça te soigne en fonction d'eux. T'as du bol, t'as pas de bol, blabla, quoi. Et moi, avec ma chance, bah, j'ai pas grand-chose. Là, on en a un joli, là. Allez. Incroyable. T'as vu ça? Le machin, il est blindé. Putain, c'est incroyable. Il y en a un deuxième, évidemment. Il y a un petit chien. Bah, celui-là, je suis pas en forme. Hein. J'arrive pas à les péter, là. Ok, bon. Il est mort. Qu'est-ce qu'il va nous donner, celui-là? Allez. Ouais, de la munition de 9 mm. Bon. De toute façon, la munition, ça nous sert. Hein. Allez. Ici, il y a de la mine aussi. Ben non. Fusil de détresse et casquette militaire. Voilà, on a mis l'électricité. Voilà. Ça, c'est du bonheur. Trouver le centre de contrôle du bunker. Ah bon? Ok. Ben on va aller le chercher. C'est un bon endroit pour faire une base, ça. Je pense qu'ils vont nous donner une base là-dedans. Je pense, hein. Tu clignes le truc, et puis tu vois, ça devient à toi un peu. Tu peux t'installer, confortable, un sac de couchage. Une copine ou deux, ou un copain ou deux, ça dépend. En fonction de tes affinités, des amitiés que t'as. Ça crève, ça, ou ça... Ça crève pas. Il est vivant, il est mort. Non, il est vivant, il a bouché. Hop.
Il n'y a pas l'air d'avoir grand chose quand même, hein. C'est un peu vide, quoi. À chaque fois, je me plains. Ouais, c'est vide, hein. Je suis une chialeuse, moi. Mais quand même, admets que là, j'ouvre une porte. Grillagée, il y a des bonbonnes de gaz et tout. Tu te dis, ouais, non, il n'y a rien. Il n'y a que dalle. Admets que je chiale pas pour rien. Allez, je vais fermer parce que ça me gonfle. Ça me bloque le passage, de toute façon, le fait qu'elle soit ouverte. Voilà. Donc tu vois, ça aurait pu être une stratégie si on avait des mobs qui nous attaquaient. Peut-être que par la suite, ce sera ça. J'en sais rien, mais pour l'instant, c'est un petit peu délicat. On va remonter un peu parce qu'il semble que le point soit un petit peu en haut. On va remonter l'escalier, là. Ouais, bon, ici, on avait fait le tour, je crois, il n'y avait rien. De toute façon, je vais tout refouiller bien après, hein. Là, je passe vite fait, puis j'ai surtout l'œil basé sur mon viseur pour regarder un peu ce qui se passe, de peur de me faire attaquer par... par je sais pas quel robot ninja, là. Ça souffle, ça. C'est pas mal, ça souffle. C'est une gazinière avec des balles. Ah ben... Ok. Celui aussi, il s'ouvre. Ah, on peut rentrer, là. Il y a une case militaire, là-bas, non? Non, on peut pas rentrer. Tu la vois, la caisse militaire, là? Je sais pas, c'est du décor, je pense. Non, je peux pas rentrer. Soit c'est du décor, soit ça bug. Je peux rien faire. Je la vois, la caisse, là, j'la veux. Non, je peux rien faire. Vraiment, je peux rien faire. Ouais, si quelqu'un y arrive, tu me le laisses en commentaire. Hein. Là, moi, pfff, que dalle. Ok. À droite, ici, un kebab. Non, je suis pas bon, hein. Faut que je fasse une petite pause, là. Je suis pas bon. Je suis pas bon, je tire tout à côté. Mais allez! Ok, ok, ok. 20 HP. J'ai frisé la mort. De très très près. La mort n'a pas voulu de moi. Je reviendrai. Allez, ça monte. Hein. T'as vu comment ça monte? Regarde, 83, 85. Tu vois? Tout à l'heure, on a pris 15 points et là, on prend je sais pas combien de points. Je comprends rien. Bon, bref. Non, on va pas prendre ce flingue, on y continue d'y aller au pistolet. Est-ce qu'il y en a un autre? Hop. Oh bah, une petite caisse. Mal de récompense. Non mais tu... Oh, mec. Mec, tu l'as déjà vu ça? T'arrives, il y a une malle de récompense, c'est marqué dessus. T'ouvres la malle, regarde ce qu'il y a dedans. Rien. Mais rien. Non mais c'est quoi? C'est quoi? Et là, c'est quoi ça? Le compte avalanche, personnel, vous donnez l'accès. Mais on en a rien à foutre de ton compte. On veut jouer, on veut des munitions, des armes. La tenue cyberpunk. Ah ouais, puis elle est belle la tenue cyberpunk, hein. Bon, ben. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression quand même que là, je me suis fait un peu mettre, non? La caisse de récompense, hein, bon. Laisse tomber. Laisse tomber. Sans déconner, je suis deg. Sans déconner, je suis deg. J'entends le bruit, mais je sais pas du tout où il peut être, le petit monstre, là. Là, je suis deg. Je vais arrêter de jouer, je vais... Une pause sans tarder, là. Vas-y. Vas-y, toi. C'est incroyable. Là derrière, peut-être il y aura des trucs. On va quand même venir voir ici. Tiens, ça c'est quoi ça? Manière E pour prendre. Voilà, t'as pas d'infos. Juste tu l'as pris. Hein. Mm-hmm. Ok. Bon, bah il y a un peu de mune à ramasser, des conneries. Il y a tout un centre de contrôle. On pourra en profiter pour se faire un petit jeu vidéo. On est bien dans ce bunker finalement. Une fois que ça sera clean. Allez, on ouvre la porte. Je sais pas si c'est la même que tout à l'heure qui était fermée. Je suis un peu perdu. Ah, puis là, station de stockage. C'est ce que, tu vois, c'est ce que je disais. À coup sûr, ils vont nous mettre un truc ici pour qu'on ait un campement. Donc, munitions ACP chemise 32. Qu'est-ce qu'il nous faut, là? La perforante 9x39. Ok.
Oui, on va récupérer de la munition en 32, de la chemisée. On en a pas mal quand même de la mune, hein. Quand on regarde, ça commence à être pas mal. La 762, on manque un peu. Puis on voit, il y a différentes qualités de munitions. Alors, je sais pas trop ce qu'elles donnent, hein, mais là, tu vois, en calibre 12, si je prends le calibre 12, j'ai pas beaucoup de munitions en calibre 12, c'est dommage. Il est où le calibre 12? Fusil à pompe, fusil de chasse, j'en ai deux en fait. Fusil de chasse, c'est un calibre 12, fusil à pompe, c'est un calibre 12. Je vais le prendre. Avec des munitions, si je les retrouve, je sais plus où elles sont. Alors, ouais, excusez-moi, je regardais un truc. Munition buckshot calibre 12, calibre 12, ici. Bah, c'est ces trois gammes là en fait. Hein. Bon, allez, je prends 14 bastos ici. Je sais pas ce qu'elles veulent. Birdshot. Bird, c'est quoi? Bird en anglais, c'est quoi? C'est oiseau, non? Donc, j'imagine que c'est des plombs à dispersion. C'est quoi ça? Ah, bah, il est content, lui. Ok, bah là on a une carte d'état-major. Donc on a une vraie base. Je sais pas si ça devient notre base principale, mais en tout cas, on pourra TP ici pour garder cette carte si on en a besoin. Ah, ils vont faire un assaut, ouais, ok. Mm-hmm. Bon bah du coup ça nous donne une petite histoire, ça rajoute au lore quoi. Pour ceux qui aiment bien les lores. Ouais bah, on suit hein, qu'est-ce que tu veux faire, on va pas... Là on a toute la carte, il y a des points sur la carte, points jaunes, etc. Donc bon, bah, stratégiquement, tiens là il y a un calibre. C'est quoi ça? Arme 1 sur 3, j'ai pas compris là, ce que ça voulait dire, arme 1 sur 3. Une station de recyclage, ok. Donc là, bon, on va pas avoir grand chose à recycler. Une station de vêtements. Donc on va pouvoir se changer un peu, tiens. Mettre une veste différente. Par exemple, une veste d'aviateur, ça veut dire qu'on est froid. Ou ce que tu as envie comme sap d'ailleurs. Voilà, ben écoutez, de toute façon, moi je vais arrêter là. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous reprends sur la suite. Je verrai avec une suite demain. Là, je suis crevé, hein, comme je vous l'ai dit. Ça se voit, de toute façon. Temps de réactivité, moins 2, déjà que d'habitude, je suis à moins 1. Là, je suis à moins 2, ça commence à devenir dur. Donc voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonnez-vous si ce n'est pas fait. Si vous êtes tombé sur cette vidéo par hasard, comme si on tombait sur les vidéos par hasard, tu sais, le mec qui y croit. C'est un peu comme gagner au loto, ça, tu vois. Et c'est tout, quoi. En munitions, je peux pas crafter grand-chose, quand même. Bon, enfin bref, on va voir comment ça va évoluer. Je vais peut-être évoluer un peu, d'ailleurs, avant de vous revenir, parce qu'on va pas se faire tout le jeu comme ça. Parce que pour vous, c'est un petit peu long de regarder toujours les mêmes choses. Je pense que vous préfériez voir une évolution réelle dans le jeu. Allez, je réfléchis à tout ça. Bye bye, merci encore.